Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Quest 11 pour voir retrouver la recette du plastron d'argent. Et pour ça, regardez la carte, on va se rendre au niveau de l'étoile rouge ici et du point brillant là. Sachant qu'on peut garer notre bateau ici. Voilà. Et je me demande si on peut pas passer par là là. Et remonter par là. Enfin bref, débrouillez-vous pour arriver ici. Et on va arriver au village de Phnomen. D'accord? Qui est ici. C'est Phnomen. Et on arrive par là. Et du coup, on va partir de l'église, mais vous partez d'où vous voulez. Le but, c'est d'aller à la porte, ici, avec un cadenas. Pour ça, il faut l'ouvrir avec la clé magique. Et ça tombe bien. La clé magique, on l'a en terminant l'histoire de Phnomen. Donc, vous parlez au villageois, vous faites la quête du village, la quête d'histoire du village. Ça se fait tout seul, hein, il faut juste parler au personnage et aller tout droit. Et quand vous obtenez la clé magique, vous allez chercher ce cadenas rouge. Il est alors la porte est un petit peu cachée parce que la ville est très verticale. Regardez, il faut monter l'escalier ici et longer la gauche. On l'ouvre avec la clé magique. Et là, vous avez le coffre qui contient la recette. Tout savoir de l'argent. On obtient la recette des tiers d'argent, des plastrons d'argent et des cuirasses d'argent. Voilà. Mais écoutez, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee, ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao! Mon tout nouveau livre avec illustration où je parle de 40 jeux vidéo à découvrir d'une dizaine de genres différents, fan-made Pokémon, RPG, jeux de survie, jeux d'horreur, jeux narratifs et bien d'autres, est disponible sur Amazon au format broché et relié. N'hésite pas à y faire un tour. Le lien est juste à côté.